Alors la question du temps dans la relation de soins, en fait, je pense que c'est une question qui est primordiale parce qu'on peut penser déjà la relation de soins comme une relation qui donne du temps. C'est soigner, c'est aussi et d'abord donner du temps aux patients, mais aussi donner de son temps en tant que soignant. Et puis, je pense qu'il y a aussi une dimension qui est très importante, qui est que on aperçoit très facilement en fait la dimension vitale, politique, sociale du temps, et on délaisse souvent sa dimension éthique. Et moi, c'est une des dimensions qui m'intéresse le plus en fait dans la relation de soins, c'est justement cette question du temps éthique. Et c'est une question, je pense, qui a été aussi très présente dans la philosophie française contemporaine au XXe siècle, que ce soit chez Lévinas, Jean Kélévitch, Sartre. C'est une question qui est très importante de donner en fait au temps une dimension qui est éthique et pas simplement faire une ontologie du temps ou une politique du temps, mais vraiment construire une éthique du temps.